Hola, buenos días. Sentaos, por favor. Puedo colgar el papelito. Bien, se ve que se trata de un texto que lleva por título Farod Gam Sola. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Vous m'avez connu sous différents pseudonymes. Farod Gam Sola! Farod Gamez! Rafod Gams. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon genre et ma personnalité. Je vous demande d'accueillir le nouveau Farid Gomez. Je suis une légende dans mon domaine, j'ai une renommée qui est la suivante, je suis totalement imberbe. Je n'apprends rien à personne. Mais ça ne m'empêchera pas de jouer le jeu du Movember durant tout le mois de novembre. Chaque homme de la planète Terre est invité à se laisser pousser la moustache. Ce qui a pour but de sensibiliser les hommes et les femmes aux maladies que peuvent avoir les hommes, tels que le cancer de la prostate. Oui, désolé mesdames, vous ne pouvez pas avoir de cancer de la prostate. Mais vous pouvez avoir un cancer du sein. Voilà, chacun sa maladie. La prostate, quel beau sujet de conversation qui est souvent lié à la rigolade et aux blagues un peu nulles. Souvent des blagues qui tournent autour du... doigt dans le cul. Ah, regardez-le, il a eu un doigt dans le cul. Il PDF. Spoiler alerte. Vous y passerez tous. Quel que soit votre âge, vous y passerez tous. Dans la plupart des cas, ce sera vers la cinquantaine, mais vous y passerez tous. On l'aura tous, notre petit doigt dans le cul, à un moment ou à un autre, pour vérifier notre prostate. Acceptez-le, c'est comme ça. Bref, petite vidéo annonce, parce que du coup, je présage d'avance beaucoup de personnes qui vont me dire « Farod Gams, cela, tu es drôlement ridicule et pas très séduisant, avec ton duvet d'adolescent de 12 ans au-dessous de ton nez. Est-ce que tu pourrais nous l'enlever, s'il te plaît ? On a du mal à regarder la vidéo dans de bonnes conditions. Ça nous agresse les yeux. » Et vous aurez raison de dire ça. Mais du coup, c'est aussi un test pour moi, jusqu'à la fin du mois, No Rasage Challenge. J'ai vraiment... Putain, j'ai dit ça. Je suis curieux de voir ce que mon corps est capable de produire sans que je le rase pendant un mois seulement au niveau de la moustache. C'est ça le but du jeu, normalement, ça se base seulement sur la moustache. Ah oui, et aussi... joyeux Halloween, nous sommes normalement le 31 octobre. Pas de vidéo Halloween, ce serait trop facile. C'est un problème de société. Vous, comme moi, sommes trop abonnés à beaucoup trop de youtubeurs. Et je suis prêt à vous parier tout ce que vous voulez qu'aujourd'hui, il y a au minimum 150 youtubeurs qui ont fait une vidéo spéciale Halloween, spéciale creepypasta, spéciale jeu d'horreur, spéciale film d'horreur, spéciale horreur. Et c'est du coup toujours pareil, à chaque période un peu phare de l'année, à Noël ça sera la même chose, à l'été ça sera la même chose, bref, du coup, je vous offrirai avec grand plaisir ma vidéo spéciale Halloween à Noël. Et du coup, je vous offrirai ma vidéo spéciale Noël le 14 février, à la Saint-Valentin. Et du coup, je vous offrirai ma vidéo spéciale Saint-Valentin à Pâques. Et du coup, je vous offrirai ma vidéo spéciale Pâques. Non, bah non, parce que du coup, il n'y a pas de vidéo spéciale Pâques, je crois. Mais si jamais un jour j'ai l'idée de faire une vidéo spéciale Pâques, je vous offrirai en été. Comme ça, le chocolat va fondre. Dans quoi je me suis engagé? Du coup, si vous ne souhaitez pas louper tout ça, abonnez-vous. Et activez la cloche. C'est pas Farod qui vous le demande. C'est Farid, Farid Gomez. Si j'arrive à tenir mon défi, à la fin du mois, j'achète un sombrero, des maracas et un poncho. Poncho, comment? Poncho? Mais je peux faire mon poncho! Je peux me mettre dans la peau du Mexicain, je sens que je peux le faire. Regardez, une petite serviette bleue là. Ça fait poncho, non? Ça fait pas poncho? Ça fait pas du tout poncho. Oui, oui. Meurs, gloire au saint Farid Gomez. Voilà. Arriba, arriba, Speedy Gonzalez. À bientôt sur YouTube.